J'ai l'intention de vous lire la charte des élus locales, mais elle fait 40 pages. Donc on va peut-être s'abstenir. Par contre, il y a un préambule avec 7 points. Et je pense qu'ils seront parfaitement d'actualité, malheureusement. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qu'il lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises aux organes délibérants dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances auxquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je pense que c'est très clair. On va commencer. Je pense qu'il y a des préliminaires. Monsieur Lauté s'était porté volontaire pour démarrer. Merci. Monsieur Lula, après je pense que la Monsieur le maire, mesdames et messieurs, huit mois où progressivement le doute, la suspicion, les affaires se sont très lourdement installées sur notre cité. Les Montluçonnais sont en colère et qui pourrait ne pas les comprendre. Le 10 février 2018, ils apprennent que Daniel Duguerry est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire de la vente par la ville des terrains de Sainte-Agathe. Le 16 février 2018, Jean-Michel Ossou, ancien président de l'Office du tourisme et adjoint, est visé par une enquête pour détournement de fonds et trafic d'influence concernant l'embauche de sa compagne. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le 14 août 2008, en vacances, le directeur cabinet Montluçon quitte la Smart, garde son véhicule de service sur un stationnement interdit et utilise frauduleusement du matériel de police. Il déclare aux policiers, selon la presse nationale, qu'il y a deux véhicules de ce type à la mairie de Montluçon, équipés par les services de la ville. Vous faites, nous faisons, à cette occasion, la une du Canard enchaîné et la presse nationale. Enfin, nous ne reviendrons pas sur le dernier épisode dans lequel l'un de vos adjoints, M. De Freitas, marque une nouvelle fois Montluçon à l'encre rouge, les faits évoqués étant particulièrement graves. Que dire, Monsieur le maire? Vous nous répondez régulièrement que ce sont des fautes individuelles. Le problème avec cette explication, c'est qu'à chaque fois, ces fautes sont commises avec les moyens de la collectivité. Cela est l'illustration d'un sentiment de toute puissance où l'on s'approprie les moyens des Montluçonnais pour de basses besognes. Parler d'une dérive collective particulièrement sérieuse est, nous pensons, l'expression appropriée. Nous avons pensé ce soir, Monsieur le maire, pour les personnes qui ont subi la chasse aux sorcières depuis 2001, quasi assumée par Yves Lasmar, il n'y a pas si longtemps encore dans la presse. C'est vrai qu'à cette époque, vos amis se présentaient comme l'incarnation de la probité même et n'ont d'ailleurs jamais hésité à piétiner la présomption d'innocence, que nous respectons. Nous avons une pensée aussi pour tous les Montluçonnais qui ont subi les abus de pouvoir, le stress ou la malveillance. Car tout de même, l'ambiance est depuis longtemps bien particulière et la sérénité n'est pas le mot qui caractérise les dirigeants de notre ville ces dernières années. Nous avons plusieurs questions à vous poser publiquement. Les réponses que vous apporterez ici seront, je l'espère, plus complètes que les précédentes. Vous nous avez communiqué que le véhicule du directeur du cabinet avait été acheté d'occasion. À qui ce véhicule a été acheté et quelles étaient ses fonctions initiales? Où est le deuxième véhicule et qui ment? Pourquoi y a-t-il deux anciens fonctionnaires de police au sein de votre cabinet? Comment utilisez-vous leurs compétences? Vous comprendrez qu'avec un troisième collaborateur qui lui en flagrant délit d'utilisation de matériel de police sans être policier, la question, monsieur le maire, puisse être légitime. De combien s'élèvent à ce jour les frais de déplacement de l'ensemble de vos adjoints et pas seulement de celui accompagnant monsieur Lasmar,
lors de cette expédition touristique en Gironde. La ville de Montluçon s'est-elle constituée partie civile dans l'affaire concernant M. Ossourd, et si la réponse est négative, pourquoi? À combien s'élèvent les notes que la ville a dans les différents établissements mentionnés? Enfin, comment est-ce possible qu'un élu semble être menacé jusque dans l'enceinte du conseil municipal? Ces questions sont encore une fois plus que légitimes et les réponses que vous apporterez attendues. Vous l'aurez compris, de bien trop nombreuses interrogations se posent qui illustrent une fois de plus la défiance très lourde qui touche la majorité municipale. Une crise de confiance qui est, monsieur le maire, gravissime et jamais atteinte dans notre ville. Alors pour tenter de rebondir, vous lancez cette prospection de Montluçon 2030 qui n'est rien d'autre qu'un début de campagne électorale financé par les Montluçonnais. Vous transformez la lutte pour la gare en fiasco, en tentant d'instrumentaliser pour votre compte la mobilisation pour le train, alors que la seule image de la majorité municipale l'assassinait, croyez bien que nous regrettons. Vous présentez à la hâte, avec la communauté agglomération, un projet médiathèque intercommunal, dont aucune ligne n'existe à ce jour au budget, et vous nous présentez ce bien minable 11 septembre Montluçonnais, un projet de financement à peut-être 8,5 millions. C'est stupéfiant. Visiblement, la folie des grandeurs ne vous quitte plus. Vous devriez penser aux finances de la ville, même si certains de vos amis semblent s'en être chargés. Nous aimerions aussi que M. Libéry s'exprime, car tout de même, où est passé le chevalier blanc, le libérateur de Montluçon, comme certains se disaient? Montluçon mérite tellement mieux. Votre prédécesseur avait commencé il y a 18 ans par le chauffeur sans permis. Seule la justice nous dira jusqu'où nous irons. Nous espérons à présent, monsieur le maire, que le mépris et le mot faible, savamment orchestré depuis 18 ans vis-à-vis de l'opposition, se fera plus discret, par décence, et nous l'exigerons, tout comme la vérité, que nous obtiendrons. Je vous remercie. Merci, monsieur Jouté. Monsieur Buvard. Il y avait déjà eu une grosse alerte en décembre, hein. Bon, pas vraiment coffre d'un chat, hein. C'était dans la montagne. On verra bien si les choses sont affectées le 6 novembre, je crois. Puis les choses se sont accélérées, mi-janvier, mi-février. Nouvelle mise en examen d'un ancien conseiller municipal et d'ancien maire. Avril nous a relativement épargnés. Le monde diplomatique en mai ne nous a pas vraiment daté, mais bon, on ne pouvait que dresser le même constat amer que l'auteur. Nous nous étions quittés en juin sur une demande reformulée de ma part et sur votre engagement, promesse, de votre part, suite à notre demande de lire la charte de déontologie des élus. J'y reviendrai. Vous l'avez fait ce soir. Et puis là, cet été, tout s'est accéléré. La montagne, sud-ouest, Europe 1, mais aussi le Chicago, France Soir, l'Express, le Canal enchaîné, les radios locales et nationales, les aventures girondines de votre directeur de cabinet font vraiment très fort. Lui, il a réussi à battre tout le monde, pas de couture, dans la course médiatique. On pensait alors avoir tout vu, et la nouvelle affaire de septembre, c'est plutôt détective ou ici Paris qui s'en délecterait. À ce moment-là de mon intervention, je vais vous faire une confidence. Nous en avons vraiment mal aux dents des os que vous nous donnez à ronger avec mépris dans vos commentaires. Et compte tenu des témoignages que nous recevons de la part des citoyens montluçonnais, multiples, nous pouvons dire que nous ne sommes pas les seuls. Ceux qui ne rongent pas grincent les dents. Vous avez lu tout à l'heure la charte de déontologie du élu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce soir, elle prend une signification toute particulière. Mais revenons à vos affaires. Malgré votre étonnement permanent, faussement naïf, il apparaît que le contrôle sur ceux qui vous entourent et à qui vous avez renouvelé votre confiance, celle-là même qui avait placé l'ancien maire en eux, laisse manifestement à désirer. Nous ne voulons pas préjuger de ce que dira la justice, mais plusieurs victimes apparaissent. Tout d'abord, les Montluçonnais. Victimes par rapport à l'image que l'on donne de leur ville et qui ne méritent pas ça, victimes directes de la confiance qu'ils auraient voulu placer dans les élus qui les représentent. Nous parlons bien également de leur argent, puisque les outils de la collectivité sont financés par l'impôt. La collectivité, en termes d'image désastreuse, donnée de Montluçon et de votre gouvernance. Toujours la collectivité, puisqu'un certain nombre de ces affaires a engagé ses moyens, ce qui l'implique directement ou indirectement, y compris dans la dernière affaire. Le matériel saisi au sein de la mairie et de la cité administrative en témoigne. Nous y rajouterons la probable ascendance du fait de l'autorité du statut d'adjoint. La collectivité encore, parce que les agents qui la servent en souffrent particulièrement. Il nous est presque impossible de prendre la parole ce soir sans avoir un message de solidarité à leur adresser, qu'ils le reçoivent comme tel. Enfin, la dernière victime connue, son entourage, sa famille,
qui doivent être impérativement reconnus et aidés comme tels. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu les éléments d'information demandés concernant l'affaire dite de la dune du Pilat. Nous avons donc saisi la CADA mardi soir. Nous ne voulons voir ici qu'un retard anodin et une nulle volonté de votre part de cacher des informations dont la révélation n'a pu alimenter nos questions de ce soir. Et puis nous vous imaginons quand même tellement débordés que l'autre. Ce soir, nos questions, et elles sont multiples, seront les suivantes. Elles rejoignent celles de mon collègue Pierre Monté. Comptez-vous engager des poursuites contre les différents protagonistes de ces affaires successives? Que comptez-vous faire pour assister la famille de la dernière victime dans ses démarches auprès de la justice? Et sous quelle forme? Avez-vous par exemple l'intention de vous constituer partie civile ou d'exprimer un tant soit peu votre solidarité? Avez-vous pu la rencontrer? Que pouvez-vous nous expliquer, nous dire, sur la nature des travaux informatiques qui ont lieu récemment au cabinet du maire, à l'initiative de qui et pour quelle raison? Personnellement, je trouve très étrange et pour le moins maladroite la concordance de ces travaux avec les éléments qui nous occupent. Et enfin, si le sort de l'adjoint est manifestement résolu au vu des délibérations suivantes, qu'en est-il de votre directeur de cabinet? Nous attendons vos réponses. Qui a la parole? Abdou? Soit aujourd'hui qualifié de rumeur,
et qu'il ait fallu le déclenchement d'une enquête judiciaire par le parquet de Bordeaux pour que vous décidiez d'une suspension administrative. Que l'on soit très clair, ici comme ailleurs, aucune confusion des genres. Il ne s'agit pas ici de dénier à quiconque, fût-il le premier collaborateur du maire, ayant reçu en mairie, il y a quelques mois, ici même, les insignes d'officier dans l'ordre national des mérites, ou fût-il un adjoint, le droit fondamental de tout citoyen à la présomption d'innocence. Ce droit est un droit de la personne, édicté dans son intérêt privé, pour sa protection personnelle et celle de sa famille. Et pour notre part, comme nous l'avons toujours fait, nous le respectons en nous interdisant, contrairement à certains, toute déclaration sur la culpabilité des intéressés. Laissons la justice, institutionnellement indépendante, faire son travail, car c'est bien la justice qui est à l'origine de ces affaires, et non je ne sais quel cabale ou complot. Mais le mandat public que nous confie nos concitoyens n'est aucunement un droit, mais bien un service, ce qui signifie que la fonction dépasse l'homme et ne lui appartient pas. L'élu représente et engage la ville, non seulement vis-à-vis de la population, mais également de nos partenaires, qu'il s'agisse du département, de la région, de l'État ou des différentes institutions. Or, sous peine de perdre toute crédibilité, toute considération, tout respect, toute confiance de ses partenaires, de nos concitoyens, l'élu et de manière générale, tout collaborateur immédiat du service public, se doit non seulement d'être irréprochable, mais exemplaire. C'est pourquoi, dans le strict respect de la présomption d'innocence, mais en considération de ses principes, qui n'ont pour finalité que le seul bien commun et l'intérêt de notre ville, nous voterons tout à l'heure et nous maintenons dans ses fonctions du 11e âge. Monsieur le maire, que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas le citoyen lambda, mais bien le premier magistrat de cette ville. Vous êtes dépositaire de l'image de notre ville, à l'intérieur et à l'extérieur. En cette période où se jouent des décisions cruciales pour l'avenir de notre agglomération, en cette période où plus que jamais peut-être vous avez besoin de la confiance de la population, vous l'avez, je crois, malheureusement déjà constaté par la très faible mobilisation lors de la dernière manifestation organisée pour le train. Les citoyens qui nous interpellent, qui sont là présents, très nombreux ce soir, vous demandent, comme les collègues vont exposer tout à l'heure, légitimement des comptes. Les agents dont l'honneur n'est pas en cause ont besoin de retrouver, si ce n'est la confiance, au moins le respect en leurs édiles. Au-delà de notre tristesse, au-delà de notre inquiétude, au-delà de notre colère même de voir notre ville au glorieux passé de résistance et de courage, exposée ainsi à cette désastreuse image médiatique, nous voulons espérer que ces scandales et suspicions qui ne cessent de se multiplier depuis maintenant près de 9 mois vont prendre fin. Nous voulons aussi espérer aujourd'hui, dans cette période de trouble, dans les forces vives de notre cité, puisque nos concitoyens, lorsqu'ils ont confiance et respect en leurs élus, savent donner le meilleur d'eux-mêmes et font vivre le bien commun. Vous m'excuserez cette allusion personnelle, mais je l'ai personnellement constaté en 2007 au moment de la carte judiciaire, quand plusieurs s'accordaient à considérer le combat comme perdu. Il y va de l'honneur de notre ville, il y va de l'avenir des Montluçonnais. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rodéon. Monsieur Diallo. Monsieur le maire, chers collègues, bien le Miss France aimait rappeler que la politique, ce n'est pas la morale, mais il faut de la morale dans toute action politique. Nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de la morale, mais depuis quelques mois, les agissements individuels de certains de nos collègues nous poussent à rappeler ceci. Après des accusations de détournement de fonds publics de la part d'un collègue qui a profité de ses fonctions pour se servir et non servir la collectivité, nous sommes aujourd'hui face à des accusations encore plus graves car elles concernent un garçon mineur.
jeune garçon et à sa famille, car dans ces moments, on peut facilement oublier les souffrances que peut connaître la personne présumée victime. La colère légitime peut se comprendre et nous nous inclinons devant le courage de ce jeune garçon et cette famille qui ont osé porter plainte et ainsi mettre la place publique de souffrance. N'étant ni procureur, ni juge, ni avocat, nous nous abstiendrons de faire des commentaires supplémentaires. Cependant, nous sommes indignés d'entendre par-ci, par-là et à travers les réseaux sociaux certaines personnes dire qu'elles étaient réellement au courant ou que tout le monde savait. Non, tout le monde ne savait pas. Et ceux qui étaient au courant des agissements et qui n'ont rien dit sont des lâches, sont des complices. Pour ceux qui, par vanité, se répandent pour dire qu'ils étaient au courant sans l'être réellement, ils doivent se taire pour laisser les familles concernées gérer leur douleur en essayant de contenir leur colère. Monsieur le maire, la convocation de ce conseil extraordinaire démontre la gravité de la situation et nécessite de prendre des positions claires. Montluçon et ses habitants ne méritent pas d'être semaine après semaine sous le feu de l'actualité que nous espérions réserver à d'autres. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine et les semaines qui vont suivre? Montluçon, les citoyens demandent des élections anticipées car jugeant votre majorité discréditée par tous ces événements, même si nous n'oublions pas que ces faits sont liés à des comportements individuels et non pas au groupe. J'ai trop de respect pour la plupart d'entre vous pour ne pas tomber dans ce piège et pratiquer la malgré. Cependant, nous comprendrions que certains élus de la majorité, heurtés au plus profond d'eux-mêmes et mal à l'aise face à cette situation, puissent envisager une démission collective et provoquer ainsi des élections anticipées. Soyons dignes de nos engagements, car face à une situation grave, certains actes servent à continuer de nous regarder devant notre miroir sans détourner les yeux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Théo. Monsieur Lomasiewicz. La lecture des faits divers qui sont malheureusement le quotidien de l'information, je me suis souvent demandé quel peut être l'état d'esprit, quels peuvent être les sentiments, les ressentiments de la famille et des proches de celle ou de celui qui est accusé d'avoir commis un délit ou un crime. Mais cette question, et c'est bien normal, est reléguée derrière ce que nous pouvons ressentir pour les victimes et leurs proches. Et nous nous la posons exclusivement à travers notre ressenti des faits relatés, donc de façon totalement impersonnelle. Aujourd'hui, je peux dire que tout ce que nous pouvons croire à propos de ces sentiments est imagination, parce qu'aujourd'hui, justement, les trois faits qui se sont succédés depuis quelques mois, faits qui ne viendraient à l'idée de personne de placer au même niveau sur l'échelle de l'indignation, et qui ont de commun entre eux de leur proximité dans le temps, nous ont tous conduits à la même conclusion. Lorsque l'on est confronté à la lourde faute d'un membre de sa famille, deux sentiments majeurs explosent aussitôt. Car même si une équipe municipale ne peut être comparée à des liens familiaux, elle génère quand même entre nous l'esprit d'appartenance à un groupe. Le premier de ces sentiments est la colère devant la violence de la trahison que l'on ressent. Et il n'est à mes yeux rien de pire qu'une confiance trahie, surtout quand cette confiance remonte, parfois, à plus de 20 ans. Le second est de se dire avec affliction que notre groupe, comme tous les groupes humains, n'échappe pas, à côté de sa part de dévouement et d'abnégation, à sa part d'ombre, de malversation ou de perversité. Que les donneurs de leçons d'aujourd'hui y pensent, eux aussi sont un groupe humain. Et lorsque certains se répandent sur les réceptacles de la médiocrité humaine, que sont les réseaux dits sociaux, en disant « je savais, donc ils devaient savoir », je regarde avec horreur le nombre de complices de ces faits qui se délectent aujourd'hui de bénéficier du coup politique qu'ils espéraient en ne les dénonçant pas.
une réunion où, bien entendu, les derniers faits ont été évoqués, des membres de notre opposition nous ont dit être en colère. Je le crois. Mais je le crois aussi que cette colère ne cache pas chez certains la réjouissance d'espérer tenir une arme contre nous. Et je le crois encore que ce but inavoué, s'il existe, n'est pas à l'origine de douteuses amalgames. Mais ne pensez-vous pas que cette colère, nous sommes les premiers à la ressentir, parce qu'il suffit de la dérive d'un seul individu pour que tout le groupe soit éclaboussé. Alors, après bien entendu les victimes des délits, nous sommes nous aussi des victimes. Un autre de nos opposants a dit que certains, grisés par l'impression de pouvoir, pouvaient croire que tout leur était permis. C'est sans doute là aussi une faute que quelques individus peuvent commettre dans chaque groupe humain. Mais là encore, depuis quand la faute d'un seul homme rend-elle responsable tous ceux qui m'entourent? Alors, pour certains, nous aurions dû être plus vigilants. Nous n'aurions jamais dû avoir ces individus comme compagnons de route. C'est facile à dire aujourd'hui. Et l'actualité que vit depuis plusieurs années le plus haut sommet de l'État nous exonère, je pense, de l'accusation d'avoir été les seuls à manquer de clairvoyance. Elle nous exonère aussi, et surtout, elle exonère le maire de l'accusation de n'avoir pas réagi immédiatement. Je viens de dire que nous étions nous aussi des victimes, celles et ceux qui honorent leur mandat en se consacrant à leur ville en sont doublement victimes. Parce que, en croire certains, il ne se serait rien passé d'autre en Luçon et dans son agglomération au cours des derniers mois. Alors, oubliez les 4000 jeunes fiers et heureux de s'approprier la victoire des Bleus au sein de la fanzone du Vieux Château. Oubliez les 2000 spectateurs venus applaudir Jazz au fil du Cher. Oubliez les milliers de personnes qui ont profité des nouvelles installations de l'Épanceau. Oubliez les centaines de spectateurs du Festival de la chanson française. Oubliez les mesures prises par le maire pour protéger de la canicule les plus fragiles d'entre nous. Oubliez les près de 1000 visiteurs venus s'informer à la maison du projet de l'avancement des travaux de Cémousson. Oubliez le travail accompli par les élus et les agents de la collectivité pour permettre à Mousson d'être retenu dans le plan gouvernemental de reconquête des cœurs de ville. Oubliez la réouverture tant attendue par les professionnels de l'école hôtelière. Oubliez le projet Mousson 2030 qui va associer toute la population à l'avenir de notre ville. Oubliez le travail de beaucoup, élus et agents de la collectivité pour la faute présumée de quelques-uns. Je dis bien présumé parce que le droit français est très clair, tant que la chose n'est pas jugée, il y a présomption d'innocence. Alors, je vais moi aussi m'indigner du comportement odieux de certains moralisateurs et des juges autoproclamés qui répandent sur les réseaux dits sociaux leur frustration, leur lâcheté, leur bassesse. Je ne prendrai qu'un seul exemple dans les égouts de la diffamation dont les vannes sont grandes ouvertes. Alors que, à la suite d'un commentaire à propos de la fable de la seconde voiture qui aurait eu un équipement illicite, fable qui aujourd'hui a fait long feu, quelqu'un demandait deux véhicules à la mairie avec ces dispositifs, pourquoi? Le commentateur a répondu, il me semble que tu le sais déjà. La calomnie par l'insinuation, la plus pitoyable des méthodes. On ne sait rien, mais on instille le doute sur une demeure déjà caduque. Alors, que les opposants s'opposent, qu'ils critiquent, même de façon violente quand les fautes sont commises, qu'ils posent des questions, qu'ils exigent des réponses, elles sont dans leur rôle. Et il n'y a là rien que de très légitime. Nous avons le devoir d'y répondre. Et les réponses aux questions posées seront apportées. Et il est heureux pour leurs concitoyens que certains commentateurs de ces réseaux n'aient pas vécu à l'époque sombre où les déportations se nourrissaient de pareilles allégations. La démocratie mérite mieux. Notre ville mérite mieux. Beaucoup mieux. Elle mérite mieux que les fautes commises par ceux dont le métier, l'engagement est de la servir.
mais elle mérite aussi beaucoup mieux que quelques inquisiteurs qui confondent parfois débat politique et révolution personnelle. En 2001, nous avons été élus sur notre projet et sur le rejet d'une malhonnêteté jugée et condamnée. En 2008, nous avons été réélus sur notre bilan et notre nouveau projet. En 2014, nous avons de nouveau et largement été réélus sur notre bilan et notre nouveau projet. Alors, je comprends qu'à l'approche des élections de 2020, certains tentent de profiter de l'avantage de dérives personnelles pour faire oublier notre bilan et ce que sera notre nouveau projet. Des dérives, je le rappelle, que nous avons aussitôt condamnées avec force et pour lesquelles le maire a immédiatement pris les mesures qui s'imposaient. Merci. Merci, monsieur Sionic. Alors, je vais faire un discours, bien entendu, pour donner un certain nombre d'informations. Mais je vais d'abord commencer par vous expliquer si on est là à 18h dans un conseil municipal exceptionnel. C'est bien parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais pas réjouissante. Effectivement, nous sommes dans une situation scandaleuse. J'ai décidé de convoquer ce conseil municipal parce qu'un certain nombre d'événements récents touchent directement le fonctionnement et la vie de notre commune. J'ai été élu maire le 14 décembre 2017. J'ai décidé de ne pas reconduire comme adjoint M. Jean-Michel Lossoir et à répondre de possibles délits devant la justice. Et j'ai décidé que la ville se porterait partie civile parce que ce qui ressort que la ville dont nous sommes peut-être concernés dans cette procédure. Nous pourrons ainsi être informés de l'ensemble des données de ce dossier et obtenir réparation des préjudices qu'elle pourrait avoir subis et être avérée l'ensemble des révolutionnaires. Lorsque M. Daniel Duguerry a découvert les faits, il a demandé des explications à M. Jean-Michel Lefour et a saisi immédiatement la justice en la personne de Mme la procureure. Il a bien respecté la législation et à aucun moment cherché à commettre des actes répréhensibles avoués. Le 13 août dernier, j'ai appris les faits concernant M. Ignace Smart, d'abord par l'intermédiaire de M. Duguerry, que la presse avait contacté ce même jour à 17h, ensuite par l'intéressé lui-même, avec lequel j'ai eu un entretien dès le lendemain. Au téléphone, il m'a affirmé que le lundi 6 août, j'étais en déplacement professionnel dans la région bordelaise avec l'adjoint aux festivités de la ville pour rencontrer une personnalité susceptible de participer à l'inauguration du marché de Noël 2018 et une autre personnalité d'installer un manège spectaculaire pour la prochaine fête foraine, d'après ses propos. Je n'étais pas informé préalablement de ce déplacement. Je n'ai donc pas autorisé ce déplacement. Il a convenu que pour ce déplacement, il avait utilisé le véhicule DS5 que la ville de Montluçon lui a mis à disposition. Il a convenu avoir conservé ce véhicule pour un déplacement personnel le lendemain, mardi 7 août, alors qu'il était en congé annuel. Ce 7 août, M. Lasmar, comme vous le savez, a fait l'objet d'un contrôle de police avec le véhicule DS5 en état de stationnement illicite. Sur ce véhicule était visible une plaque police nationale. Cet élément a conduit à une poursuite du contrôle et la découverte d'un autre équipement officiel. Ces équipements sont la propriété de M. Lasmart. Les services sont en charge de chercher les factures, mais pour le moment, rien ne m'a été donné. Compte tenu de l'infraction et de la fonction de l'intéressé, la presse s'est largement fait écho de cette utilisation abusive. Les qualifications employées dans les différents articles, détention illicite d'équipements officiels, usurpation de fonction, ainsi que certaines comparaisons avec l'affaire Benalla, ont été particulièrement négatives et néfastes, non seulement pour le président de Montluçon Communauté et moi-même, mais aussi et surtout pour l'image et la réputation de notre agglomération et de notre ville. C'est pourquoi Daniel Duguerry et moi-même avons pris la décision le 14 août d'une suspension immédiate et sans rémunération à compter du 16 août 2018. Pour votre information, M. Lasmart est rémunéré aux deux tiers par Montluçon Communauté et un tiers par la ville.
Il a donc déposé deux arrêts de travail, le premier qui courait jusqu'au 7 septembre et le second qui est en cours, qui court jusqu'au 7 octobre. Juridiquement, le congé de maladie prévalant sur la suspension, M. Lasmart est actuellement rémunéré. L'employeur n'a pas jugé du bien fondé de ses arrêts de travail comme tous les agents de la ville. Les services m'ont affirmé que les indemnités qu'il percevait étaient versées par l'assurance maladie, puisqu'il n'est pas agent municipal. J'ai demandé immédiatement, le 16 août, qu'une enquête administrative soit menée sur l'utilisation du véhicule de service par l'intéressé. Et en début de semaine, j'ai engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Lasmart sur les bases suivantes. En tant que directeur de cabinet, M. Lasmart devait une attitude exemplaire qui nécessite une confiance totale de l'employeur. Par son comportement, il a manqué à ses obligations professionnelles et à son devoir de probité. Il a trahi le lien de confiance qui était établi avec sa hiérarchie. Il a entamé l'image du maire ainsi que celle de la ville de Montluçon. Daniel Duperry a lancé la même procédure disciplinaire. Certains d'entre vous le savent. Une telle procédure doit être menée strictement entre les règles et les droits de la défense doivent être respectés. Le courrier respecte et rappelle ces éléments. Avant la fin de ce mois, M. Lasmart sera reçu pour un entretien préalable, d'une part par le président de Montluçon Communauté, d'autre part par moi-même. Au cours de ces entretiens, il pourra se faire assister par une personne de son choix. À l'issue de ces entretiens, nous réunirons un groupe de 6 élus, 3 conseillers communautaires, 3 conseillers municipaux. L'opposition sera représentée dans chacun de ces groupes. Et nous leur communiquerons les éléments de l'enquête administrative et ceux apportés par l'intéressé lors des entretiens. La décision sera prise sans délai par M. Duguerry et moi-même. Je rappelle aussi que la procédure disciplinaire est détachée de la procédure pénale. Ces deux procédures sont indépendantes et n'ont strictement pas le même objet, même si l'origine des faits est la même. Il n'y a donc pas lieu d'attendre les conclusions de cette autre procédure. Il n'y a pas de deuxième véhicule équipé, selon les informations fournies par l'administration. Dernier événement en date. L'interpellation le 11 septembre et la mise en examen le 13 septembre de M. Stéphane de Freitas, adjoint de la ville de Montluçon chargé des festivités. Il a été interpellé le 11 septembre au matin à son domicile et pas à la mairie. Il a été conduit par les gendarmes à la cité administrative et à la mairie pour perquisitionner les bureaux qu'il utilisait pour ses activités municipales. Ils ont saisi du matériel informatique notamment. À 16h15, le service téléphonie m'a remis à ma demande un téléphone qui m'ont dit être celui de M. de Freitas. Les deux personnes présentes m'ont affirmé qu'ils avaient trouvé des images et des films pornographiques sur ce téléphone. J'ai immédiatement téléphoné à Madame la commandante de la compagnie de gendarmerie de Montluçon pour lui donner ce téléphone que j'ai remis à 18h aux gendarmes de la brigade de recherche en présence de la commandante. Dans la soirée, j'ai décidé de retirer les délégations d'adjoint à M. de Freitas. En effet, il a utilisé le téléphone mis à sa disposition par la collectivité pour stocker des images et des films pornographiques. Ces seuls faits ont justifié le retrait de sa délégation. Le 13 septembre, Madame la procureure a mis en examen M. de Freitas pour plusieurs chefs d'accusation. Le plus souvent, il est souhaitable d'attendre les conclusions d'une procédure pénale pour prendre la bonne mesure des décisions à prendre. Dans le cas présent, et même si je ne connais évidemment pas les conclusions de l'enquête, la mise en examen à elle seule suffisait pour conforter ma décision. Je vous affirme que je condamne ces agissements inadmissibles que ces 3 personnes ont eues ces derniers mois. Il s'agit uniquement d'actes individuels et personnels qui n'engage aucun autre élu. La dernière relève du droit commun et je ne ferai aucun commentaire. Les deux premières affaires relèvent, elles, du manquement au devoir de probité et de l'abus de position et de statut. C'est très grave, car après toutes les affaires qui ont agité le monde politique national, elles jettent un discrédit sur les élus locaux et ceux avec qui ils travaillent. C'est quelque chose d'insupportable,
d'encore plus insupportable s'agissant de la gestion locale. Notre amendement à la gestion la plus rigoureuse possible, à l'utilisation la plus juste des données publiques, tous les jours de l'année avec des moyens financiers limités, avec des personnels ô combien compétents et dévoués à notre ville, mais que j'aimerais plus nombreux, tellement rattachés à l'ordre. Et tout ce travail est balayé par des agissements d'individus qui nous font honte. Honte d'être éventuellement mis dans le même sac, à l'image de raccourcis que l'on peut lire ici ou là. Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai vraiment une boule au ventre, car je sais tous ici, nous travaillons honnêtement pour notre ville, que nous soyons dans la majorité ou dans l'opposition. Et plus ou moins directement, nous sommes tous et toutes salis par les agissements inadmissibles de certains. Un agent de la ville m'a dit qu'il avait maintenant presque honte de dire qu'il travaillait pour les services municipaux. J'ai adressé un message à tous les agents pour les soutenir et leur affirmer qu'ils pouvaient être fiers de leur travail. Je sais que votre ancien maire sera attaqué et plus que d'autres. Mais Daniel Duguerry a formidablement transformé notre ville et notre agglomération. Tout le monde le sait ici, même ceux qui n'auront pas forcément œuvré comme lui. Il a commencé à redonner un vrai destin à notre ville et à tout le bassin montluçonnais, parce qu'il a une vraie vision de l'avenir. Il a donné sa confiance qui est aujourd'hui trahie. Je serai également attaqué, alors même que j'ai pris des décisions rapidement. Le groupe majoritaire du conseil municipal sera aussi critiqué, parce qu'en France et en politique, c'est la loi du genre. Mais voyez-vous aujourd'hui le délinquant autour de moi? Il est tellement facile de faire des amalgames, de lancer des tous pourris. Cela fait les choux noirs des poujadistes et des extrêmes. Je ne demande aucun soutien, aucune trêve, mais simplement le respect des autres élus qui sont totalement étrangers à ces actes individuels et personnels. Je me permets de prévenir que j'attaquerai d'ailleurs en justice tout propos infamant, diffamatoire ou calomnieux et toute diffusion d'informations fausses ou trompeuses concernant les élus, mais surtout les agents et la collectivité. La question qu'un citoyen est aujourd'hui en droit de se poser est la suivante. S'agit-il de cas isolés ou bien d'un système? Je veux démontrer au cours des prochains mois à nos concitoyennes et concitoyens que ces trois agissements, ces trois personnages, sont isolés et ne sont en aucun cas révélateurs de modes de fonctionnement irréguliers. Ces trois individus ont agi dans des cadres totalement différents, l'un comme dirigeant d'une association, l'autre lorsqu'il était en vacances loin de notre cité, et le dernier dans sa vie privée. Notre collectivité n'est pas revenue 20 ans en arrière. Dès que j'ai été élu, j'ai demandé à l'administration des contrôles renforcés des dépenses des élus, dans la régie notamment. Nous avons fait limiter au maximum ces engagements de frais, car notre collectivité doit faire des économies. Je suis convaincu de la probité avec laquelle ces charges sont gérées aujourd'hui, mais ma confiance ne sera pas aveugle. Je peux lancer les contrôles à tout moment. Je vous rappelle cependant que les dépenses sont enregistrées dans les comptes administratifs. Elles seront donc contrôlées par la trésorerie municipale, organe indépendant de notre collectivité, et contrôlable par tous les élus. Voilà, mesdames, messieurs, chers collègues, les informations que je souhaitais porter à votre connaissance. Concernant quelques questions qui m'ont été posées, il est bien dommage qu'elles ne soient pas arrivées un peu plus tôt, on aurait pu être beaucoup plus précis. Concernant la confiance que j'ai accordée aux gens, en tout cas à celui que j'ai suspendu et à celui auquel je vous demandais de retirer son mandat d'adjoint, certains vont dire, on le savait tous, très bien. Moi, je ne juge pas sur des... On dit, je juge sur des faits. Un fait, une sanction. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour l'un, il est suspendu, et pour l'autre, il est déchargé de sa délégation pour le moment. Concernant l'informatique, je suis outré de ce que j'ai lu sur Internet. À aucun moment, je n'ai demandé quoi que ce soit au service informatique. Puis il faut bien savoir une chose, on peut leur demander ce qu'on veut, mais il y a des modalités de sauvegarde qui font que
probablement c'est dans un cloud quelque part. Alors, j'espère juste que les informations qui ont été remises aux gens qui ont porté ces accusations ne seront faites que liées à des mises à jour. Parce qu'effectivement, chaque semaine, même des fois plusieurs fois par semaine, il y a des mises à jour de logiciels. Nous verrons tout à l'heure pour le poste des médiateurs, nous verrons aussi pour la médiathèque. Le véhicule a été acheté à un concessionnaire, il n'est pas passé en conseil municipal parce qu'il était en dessous des seuils, enfin je parle du prix d'achat, mais ces documents-là seront remis au jury qui sera réuni à l'issue des entretiens que le président de Montluçon Communauté et moi-même aurons avec M. Yves Lasmart. M. Audillon, j'espère aussi, parce que je ne suis pas venu là pour vivre ça. Croyez-le bien. Et puis, comme je l'avais dit, une faute, une décision. Et s'il y en a d'autres, il y aura d'autres décisions. La justice a été rendue dans les affaires des années 80-90 et dans les affaires des années 2010, on va dire 2018, elle passera. Et s'il faut, elle sera rendue. Et j'applaudirai dès demain. Merci. Monsieur Cotte. Je vous remercie. Je vais dire quelques mots rapidement. Que, comme d'autres l'ont dit, notre ville a été salie et humiliée. On ressent tous de la colère. Un certain nombre de Montluçonnais expriment de la honte. Je profite de cette tribune pour leur dire qu'ils n'ont pas à avoir honte. Nous devons être fiers d'être Montluçonnais, nous devons être fiers de Montluçon. Nous devons être fiers de notre passé de résistance. Et je nous rappellerai bien fait celui des citoyens se couchant devant un train qui aurait été au mémorial de la résistance à Caen. Nous devons être fiers d'être Montluçonnais, nous n'avons pas à ressentir de honte. Néanmoins, un certain nombre de faits se sont produits et la justice dira ce qui relève de dérive individuelle et ce qui relève de l'organisation collective frauduleuse, s'il y en a. En tout cas, j'entends bien, monsieur le maire, que vous n'avez pas pu répondre en direct à toutes les questions qui vous ont été posées. Vous aurez, j'imagine et je le souhaite, la possibilité de le faire dans un second temps, ne serait-ce que répondre à vous croyez que le groupe de gauche vous ont envoyé il y a maintenant un mois pour vous demander un certain nombre de faits. Je voudrais dire que si vous n'avez pas le temps de répondre directement ce soir à toutes les demandes, je regrette, et vous allez peut-être pouvoir le faire maintenant, que vous n'ayez pas exprimé la moindre, en tout cas ce soir, la moindre compassion à l'égard de la famille de la victime et à l'égard de la victime. Et je vous demande, je vous redemande la question qui a été posée par Philippe Buvard et d'autres élus, quelles mesures d'accompagnement la collectivité, à travers son premier magistrat, compte-t-elle prendre pour accompagner cette famille et cette jeune victime? Je vous remercie. Alors, d'abord, je suis écœuré par les actes s'ils sont avérés. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne peux pas utiliser le mot qui a été gravé sur les murs de la maison de M. Stéphane de Freitas, ou de la maman de M. Stéphane de Freitas, parce que rien que ce mot mérite des mesures d'accompagnement, puisqu'il s'agit d'un agent de la ville, il pourra bien sûr bénéficier des mesures d'accompagnement prévues avec le système général interne, médecin interne, infirmière interne. Et je ne crois pas qu'à titre personnel, je puisse entrer en contact à aucun moment avec la famille et encore moins avec la victime. Voilà. Mais par contre, si vous considérez, vous, comme médecin, que j'ai quelque chose de précis à faire, je suis tout à fait prêt à le faire. Mais je refuse de rentrer délibérément en contact avec la famille. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose pour la procédure. On va passer au vote.
Alors avant de voter, je... Madame Le Poussin. Oui, ce sera très très bref. Juste une remarque, vous exonérez de toute responsabilité dans ces affaires, et en particulier celle de, concernant M. Lasma. Et vous dites n'avoir rien vu. On s'interroge vraiment sur votre clairvoyance, puisque quand même vous étiez adjoint des finances, puis vice-président en charge des finances, c'est-à-dire très proche du cabinet du maire, donc en contact permanent avec le cabinet du maire, et donc avec M. Lasma. Donc ça nous inquiète un petit peu, et je demande attention à l'entourage. Je ne comprends même pas votre question. En contact permanent avec le cabinet du maire, le directeur des finances à l'époque, M. Pierre Ménèche, vous expliquait une chose très claire. Pour le bien des données publiques, avant d'être maire, je n'avais pas de bureau. C'est-à-dire que quand je venais à la mairie, j'utilisais une salle commune de réunion dans laquelle on mettait des dossiers pour que je travaille le temps que j'étais là. Et cette salle commune, elle était dans le bâtiment C, c'est-à-dire à l'opposé du cabinet du maire. C'est-à-dire les trois fois dans la semaine où je venais signer les documents, je ne voyais ni le maire, ni le directeur du cabinet. Donc je n'ai pas de contact particulier, j'avais avec eux. Non, proximité géographique, une proximité de travail quand même, vous étiez souvent en contact pour le travail. Pas plus chez votre vue. Vous ferez une question de vie, monsieur le maire, à laquelle vous répondez, parce que vous avez parlé de plus. Oui, oui. Sauf ce qui est dans une procédure. Hein. Ce qui est dans une procédure, vous le saurez dans le cadre de la procédure. Il y a certaines informations. Ah. Il y a certaines informations que vous pouvez nous communiquer. Il y en a certaines que vos communicateurs, il y a des délibérations qui en parlent. Donc on le fera dans le second temps. Si vous voulez. Vous n'avez pas de délibérations qui en parlent, que je vous demande. Oui, bien sûr. Bien, on va passer au vote. Mais avant de passer au vote, je crois qu'on a un document à vous remettre. Et après, je passerai la parole à M. Rodecazier. Vas-y, René, comment ça devait être le document ? C'est un courrier de Stéphane de Frétas, Montluçon, le 20 septembre 2018. Monsieur le maire, il y a quelques jours, j'ai été interpellé le matin à 8h15 au domicile de ma mère par de nombreux gendarmes qui m'ont conduit sous escorte comme un criminel à la mairie. Comme un criminel à la mairie et à la cité administrative afin d'effectuer des perquisitions dans les lieux que j'ai l'habitude de fréquenter dans le cadre de mes fonctions d'élu. J'ai compris que je faisais l'objet d'une plainte de la part d'une famille de l'agglomération pour des faits de corruption mineure. J'ai rapidement identifié cette famille que je connais depuis 5 ans et dont j'ai facilité le recrutement du mari il y a quelques mois dans les services de la collectivité à la suite de son licenciement d'une entreprise privée. S'il est vrai que je connais bien leur fils qui va sur ses 17 ans, j'affirme qu'il n'y a jamais eu d'attouchement entre lui et moi. En revanche, ce que je sais, c'est que son père connaît des difficultés relationnelles avec les responsables administratifs des services municipaux. Je souhaite vivement que l'enquête examine les liens qui pourraient exister entre cette plainte et la situation administrative du père du mineur. J'avoue que la brutalité de cette mise en cause sur la place publique, avant même que l'information judiciaire soit ouverte, m'a profondément bouleversé et gravement affecté ma famille, puisque le lendemain, ma maman se voyait retirer son agrément d'assistante maternelle dont elle bénéficiait depuis 40 ans. J'ai pu observer que, contrairement à ce qui reste de déontologie chez les journalistes, qui dans la montagne ne balancent pas le nom, y compris criminel, mon nom a été immédiatement exposé à la vindicte publique, ce qui a permis à des irresponsables de venir écrire des choses innommables sur les murs de la maison de ma pauvre mère. Des mails émanant de sources officielles ont inondé les médias, y compris nationaux, dès leurs premières heures de l'enquête, où est la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. J'ai exercé à la MJC de Fontbouillon les fonctions d'animateur auprès des jeunes durant plus de 15 ans. Et je n'ai jamais été mis en cause dans une quelconque affaire de mœurs, les responsables de la structure pourront en témoigner. Lorsqu'on est confronté à ce type de situation, dans un premier temps, on n'a même plus la force de se révolter. Moi, j'ai pleuré pendant des heures aux côtés de ma mère. Et puis, j'ai pensé au pire. Maintenant, fort de la confiance d'amis sincères, j'ai envie de me battre pour rétablir la vérité. J'ai envie de dire tout ce que j'ai fait pour la ville à laquelle je suis indéfectiblement attaché. J'ai envie de dénoncer les basses manœuvres de ceux qui
pouvait mettre en difficulté une majorité municipale qui, en 17 ans, a fait beaucoup de bien à Montluçon. Alors, pour mieux assurer ma défense et sans lien politique avec telle ou telle sensibilité, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de conseiller municipal car je ne veux pas porter préjudice à la cité qui m'a vu naître et grandir. J'adresse à tous les élus, y compris les détracteurs, mes vœux de pleine réussite pour les projets remarquables ici pour notre municipalité depuis 2014. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, mesdames les élus, messieurs les élus, mes sentiments les meilleurs. Stéphane de Frédès. La fête est arrivée à 17h. Monsieur Bote, on va peut-être vous faire parler madame de Wester qui a le directeur. Merci. Je m'étonne, monsieur le maire, que vous n'ayez pas fait état de ce courrier quand vous avez réuni les présidents des groupes d'opposition afin que nous organisions collectivement et dans le respect collectif ce temps de. Le conseil municipal extraordinaire. Je m'en étonne vraiment. Je vous laisse la responsabilité de cet effet de tribune, sinon est. Je m'étonne que ce courrier puisse être lu dans cette enceinte. C'est votre responsabilité. Je n'ose imaginer que vous adhérez aux propos qui sont tenus. Voilà. Merci. Oui, bon, je suis extrêmement étonnée, effectivement, de vous mettre à disposition ce courrier que vous dites, qui a été lu pour tout le monde. Il suffisait d'annoncer en fait que M. Le Frétas souhaitait démissionner, ce qui est son droit. Le courrier est très étonnant. Alors, d'abord, il n'y a pas eu une réunion avec les dirigeants de groupe, puisque vous avez souhaité tous les membres des groupes présents. Or, les membres de la majorité n'étaient pas plus informés. Je ne sais pas pourquoi les groupes d'opposition ont été intégralement informés et pas ceux de la majorité. C'était votre choix de respecter. Donc, de la même manière que je ne vous avais pas dit que j'allais lire la charte de l'élu, ça s'est passé comme ça. Ensuite, il me semble, il a déposé ce courrier cet après-midi, en demandant que ça soit lu. J'ai refusé de le lire. Mais il me semble que chaque élu, et il était, avait droit à quelques minutes de parole par conseil municipal. Il les a pris. Moi, je n'ai pas jugé. J'ai dit que je trouvais les actes innommables, s'ils sont avérés. Et pour le moment, j'ai plutôt tendance à le croire, parce que c'est ce que croit la justice. Au final, pour moi, et je suis satisfait qu'il ait quitté notre enceinte pour la représentativité de notre collège, de notre conseil municipal. Nous allons donc retirer la première délibération, elle n'a plus de lettre, puisque l'État. Je vais permettre de vous dire, monsieur le maire, j'ai trouvé cette séquence assez digne, en désaccord, un certain nombre de points de désaccord avec l'interprétation de M. Silloli, mais bon, ce n'est pas le lieu d'en discuter, d'en polémiquer. Parce que la situation est suffisamment grave, un niveau d'éducation que nous avons donné à ça. J'ai trouvé cette séquence très digne. Et malheureusement, elle est lourdement plombée et ternie par ce dernier événement. Je le regrette profondément. Je pense que pour le moment, il n'est pas encore coupable. Bien, deuxième délibération. Nous vous proposons de rester à 10 adjoints. Ce qui va nécessiter une petite réorganisation des délégations. Madame Vergne récupérera l'intégralité de la vie associative et des associations. Et Madame Manuela de Castro récupérera la délégation concernant les festivités et la logistique. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur le maire, excusez-moi, mais là, je crois que. Là, je suis un peu abasourdi quand même de cette. On nous convoque pour un conseil municipal extraordinaire avec
ensemble, on convient à 17h. On était là à 18h. Donc, vous nous sortez ce document pour pouvoir retirer la délibération. Là, je crois que j'ai pas de mots. J'arrive pas à comprendre comment on a pu se retrouver dans cette situation où là, on ne sait même plus où est-ce qu'on en est. Alors qu'on était venu ici, les moniteurs sont venus ici. Je crois que ce n'était pas pour subir cet état de fait, et c'est dommage. Et là, je rejoins la Frédéric Cole. Je crois que tout le monde a été digne dans cette assemblée. Et cette attitude, je crois que, en tout cas, je trouve dommage qu'on soit arrivé là. Parce que là, je crois bien que tout le monde est perdu. On ne sait même plus. Donc, l'ordre du jour ne prévoyait pas la lecture d'une démission d'un élu. Donc, donc je crois que là, il y a un problème quand même. Symboliquement pour tous et pour le respect des gens qui sont déplacés, j'aurais souhaité qu'on vote sur cette délibération qui était prévue par ce conseil municipal extraordinaire. Il est plus membre du conseil, alors. Vous pouvez en parler. Et j'ai trois observations qui rejoignent pour partie celle de l'opposition qui est en face de nous. Première observation, moi je pense que c'est tout à fait normal et je ne m'offusque pas que M. Stéphane de Feta, c'est lui qui nous a laissé sa lettre. Il a le droit de s'exprimer, il a siégé et il était jusqu'à sa démission conseiller municipal. C'est le droit de tout individu, c'est sa dignité humaine. Ça ne préjuge pas de sa responsabilité éventuelle. Mais je partage votre décision d'avoir fait lire effectivement cette lettre par notre collègue René Cassillon. Par contre, effectivement, je rejoins pour mes collègues sur le fait qu'il aurait été, on va dire, courtois, effectivement, de nous informer de cette démission. Puisque institutionnellement, nous savons tous ici, la démission d'un conseiller municipal, contrairement au poste d'adjoint, la démission d'un conseiller municipal doit être adressée au maire. Voilà, je pense qu'il aurait été courtois de nous en informer tout à l'heure. Enfin, dernière observation des juridiques, effectivement, on ne peut pas voter, à mon avis, cette délibération. De par sa démission qui est effective, il n'est plus conseiller municipal et donc il n'est plus adjoint. La délibération est tombée d'objet. Voilà. Croyez bien que la démission, on la souhaitait vivement. Voilà. Et elle est arrivée forcément dans les délais traités. Oui, monsieur. On a eu une réunion juste avant, tous ensemble, juste avant le conseil municipal. Ça aurait été bien que vous nous disiez pour aller sur ce courrier. Moi, si je suis sorti de la salle, c'est pas pour aller aux toilettes, c'est que je ne voulais pas écouter cette lettre. Voilà. Bon, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas que les chefs de groupe avec moi, vous étiez tous présents. Que vous ne vouliez pas écouter cette lettre, c'est votre droit le plus strict. Donc, je retire la première délibération, nous passons à la deuxième. J'ai expliqué le bout des questions. On passe donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Nous ne prenons pas part au vote. Ah. Alors, qui ne prend pas part au vote? La deuxième délibération. Le nombre d'adjoints qui est réduit à 10. Donc, qui ne prend pas part au vote? 5. Qui vote contre? Qui s'abstient? 3. Merci. Il y a donc une suspension de séance jusqu'à 19h30, l'heure à laquelle on démarrera le deuxième conseil municipal.